Bonjour à tous. Petite vidéo du jour pour un petit travail en plus. Donc, il n'est pas obligatoire pour tous, mais je sais que certains maintenant ont bien pris le rythme et vont assez vite dans ce que je demande. Donc, ce sera intéressant pour cela de faire le petit travail que je vais proposer maintenant, puisque c'est quelque chose qui va bien nous aider pour la suite. Donc le travail il est simple et en plus les enfants vous pouvez le faire seul. En tout cas pendant l'exercice vous pouvez être seul, c'est vous qui devez vous débrouiller. Donc c'est une petite dictée, on appelle ça une dictée différée. C'est-à-dire il y aura, j'en ai préparé une, après la phrase, vous pouvez prendre la phrase que vous voulez, là les parents vous pouvez choisir. Voilà, moi j'ai écrit une petite phrase toute simple, je marche sur le chemin. Le principe, c'est que vous asseyez votre enfant là où il travaille, et cette feuille-là, vous la placez quelque part dans la maison. Alors pour commencer, vous pouvez la mettre pas très loin. Si votre enfant travaille sur une table, vous la mettez dans un coin de la pièce, voilà. Et vous ne lui lisez pas. Votre enfant doit aller voir la phrase. Il doit la regarder, il prend son temps, il observe la phrase, il regarde tous les mots, il lit, il regarde comment les mots sont écrits, et il revient sans la feuille. La feuille doit rester dans le coin de la pièce si vous l'avez posée dans le coin de la pièce. Il revient et il écrit ce qu'il a vu. Donc si c'est possible, bien il y va une fois et il écrit la phrase. C'est assez difficile ça en CP à faire d'un coup. Donc, il peut, en fonction de ce qu'il a réussi, il peut écrire un mot, il peut écrire deux mots, il peut écrire trois mots, il peut tenter la phrase en entier, et puis après, on vérifie. Donc, s'il y a zéro erreur, c'est réussi, pas de souci. S'il y a une erreur, ou s'il manque des mots, on a le droit de retourner voir la phrase. On regarde à nouveau la phrase, on essaie de se souvenir ce qu'on a écrit, et on revient sur sa feuille, hop, on poursuit son écriture de phrase. D'accord? Et vous pouvez fonctionner comme ça jusqu'à ce que la phrase soit écrite et juste. D'accord? Donc l'objectif là, si pour la première phrase il a fallu aller voir 5 fois la feuille, et on va essayer après de faire une deuxième phrase, et puis on essaiera de se déplacer que 4 fois, puis 3 fois, puis 2 fois, puis l'idéal c'est je vais voir une fois, j'écris juste ma phrase. Donc ça apprend aux enfants à bien tout observer. À regarder toutes les lettres muettes qui sont à la fin des mots, on ne les entend pas, mais elles sont là, il faut les écrire. Ça permet de compter les mots, ça permet aussi de se souvenir comment les mots sont séparés. Donc c'est un travail qui est super intéressant et qui est bien, c'est super de le réussir en un minimum de fois, de voyage. Donc je vous propose ça. Donc là, moi j'ai mis une petite phrase simple, je marche sur le chemin. Si votre enfant y arrive tout de suite, eh ben, c'est aussi possible d'agrandir la phrase, de mettre des mots plus difficiles. Et puis comme ça, vous pouvez jouer sur la longueur. Voilà. On peut aussi jouer sur le fait que on peut vraiment mettre la feuille pas loin. Comme ça fait un petit trajet, votre enfant n'a pas le temps d'oublier les mots. S'il réussit bien, eh ben, on peut mettre la feuille à l'autre bout d'une autre pièce ou à l'autre bout de la maison. Comme ça, le trajet est plus long, faut qu'il reste concentré. Faut qu'il ait tous les mots en tête durant tout son trajet, toutes les lettres. Voilà, un petit jeu que je vous propose. Donc là, c'est libre à vous, hein, les parents. Je vous laisse faire. Et puis, tenez-moi au courant si ça marche. Si vraiment c'est trop dur, écrivez un mot aussi. On écrit un mot à l'autre bout de la pièce, il faut aller le voir, réécrire, le mémoriser. C'est une solution pour mémoriser les mots aussi. Voilà. Eh bien, à vous de jouer. Et si besoin, je vous propose des modèles de phrases. Et comme ça, vous pouvez jouer avec ces modèles de phrases. On essaye aussi d'écrire les modèles en attaché. Je sais qu'on a maintenant, on perd l'habitude, hein. Mais écrivez bien les modèles en attaché, puisque les enfants vont devoir réécrire en attaché. Voilà. À vous de jouer. Tenez-moi au courant pour me dire si ça fonctionne bien.